Il était une fois un homme appelé Dino Jean-Claude, né dans la ville de Kasumbalesa le 27 octobre d'une certaine année. Dès son enfance, il rêvait d'être un grand dessinateur. Mais nous comprenons qu'en grandissant, l'esprit se développe et s'adapte aussi aux choses terrestres. Jean-Claude donna sa vie à Jésus-Christ très tôt matin et il fut baptisé en 2022 le 16 avril par le pasteur David Chilili. La vie de cet homme est un livre qui contient beaucoup de chapitres. Toujours courageux, simple, aimable et il a un cœur qui pardonne. Il fut surnommé vers les années 2016 par Socrate Chilili un nom dont je cite Kourou. Et ce nom a fait un succès exagéré et les gens n'ont pas arrêté ou cessé de l'attribuer des pseudonymes, entre autres les riches, Kourouzinza, les sages. Malgré son jeune âge, c'est un exemple à suivre, une légende vivante, Empire Kourouzinza.